Tissu, vous connaissez l'enseigne depuis combien de temps? Oh là là, plus de 20 ans. Depuis des années. Je suis une fidèle cliente. Quand le garage a cédé, c'était le garage qui était à la place. Ben moi j'étais à l'ouverture. Des années, je peux pas vous dire. Ça va faire au moins 3 ans. Bon, moi avant j'étais sur Reims, donc dans le 51, il y en avait déjà là-bas, je me fournissais déjà là-bas. Je suis arrivée sur Lyon, c'était pareil. Je suis couturière, je fais des retouches, des créations. Oui. Je fais de la couture, mais je fais surtout du tricot et puis je venais aussi beaucoup pour les petites merceries. On a un club qui s'est monté coup de pouce, où on fait plein de petites bricoles en tissu, un truc comme ça. C'est bien organisé, c'est facile à faire, c'est parfait. Ouais, j'aime bien la couture. Ouais. C'est ma mère qui m'a appris, alors j'essaye d'apprendre le peu que je sais quoi, à ma fille. Qu'est-ce que vous confectionnez? Tout. Absolument tout. Moi, je couds beaucoup de vêtements. D'accord. Beaucoup de vêtements pour enfants. Donc, j'aime beaucoup venir ici parce qu'il y a beaucoup de tissus imprimés pour enfants, entre autres, où souvent j'utilise des tissus qui ne sont pas forcément appropriés pour l'enfant, mais que je décale. Des rideaux pour la petite fille. D'accord. Des déguisements pour le carnaval et les conscrits. Et de l'ameublement, du vêtement, tout. Et moi, je fais toutes les réparations aussi. Et on a même trouvé aujourd'hui pour le petit du tissu pour faire un lustre. Un lustre? Un lustre. Habiller un lustre. Et on fait tout. J'ai fait des sacs de sport, j'ai trouvé du tissu pour faire des combinaisons de ski. Des vêtements, des bavoirs, des petits chaussons, plein de petites choses. J'ai profité de la naissance de ma nièce pour m'y mettre. Qu'est-ce qui vous plaît chez Mondial Tissu? Le choix des tissus. Il y a plein de choix. Et pour moi qui commence, et les personnes elles savent m'expliquer aussi. Ouais, me guider quoi sur le tissu, si j'arriverai à le coudre ou pas. Bien chez Mondial en fait c'est que y a pour tout budget. C'est très accessible en termes de prix. Le tissu, le joli tissu qu'il y a. Pouvoir confectionner soi-même, faire soi-même. La gratuité. Tout ça. Du choix. Enfin, pour moi du choix et puis pouvoir. Puis bon, au niveau des renseignements, on est bien guidé et puis tout le reste, donc on peut, plus que les autres magasins, au moins on a tout sur place. On n'a pas besoin de faire 36 magasins pour avoir un truc. Moi, je commence à confectionner un petit peu. Et on va faire voir moi, la petite. Moi, j'adore coudre à la main. Et voilà, et la petite, elle a commencé à coudre à la main. Trois mots. Le choix. Bonheur. Je dirais modernité. Variété et accessibilité. Bonheur d'y être parce qu'on peut fureter. Et puis le bonheur parce qu'après, ça nous permet de faire plein de choses à la maison. Diversité. Claire. Je viens de le dire. Ah ben. Beaucoup de choix. Enfin, beaucoup de choix. Et puis, c'est très aéré. Voilà. Parce que tu es là, regarde, tu peux voir. Voilà, on a fait à peu près où on veut aller. Oui, voilà. Voilà, chouette. Voilà, oui. Hein, voilà. Je suis petite et ben j'arrive quand même à voir quelque chose. Je trouve que c'est beaucoup rajeuni. Parce que c'est vrai que le souvenir que j'en avais, c'était que les tissus étaient quand même pas très jeunes. Voilà, et que maintenant, je trouve que le choix est quand même assez important. C'est un bon service, bon rapport avec les clients, du choix, énormément de choix. Le choix. Des fois, il y a des valeurs. Les prix qui sont intéressants et puis le service, on trouve souvent des vendeuses qui sont très bonnes conseillères. Donc, Une grande quantité et surtout diversité voilà, de tissus et qualité aussi. Le pied, non c'est le bonheur. Je m'appelle Nadine Bedan, je suis responsable du magasin Mondial Tissu à Bègle. Je suis rentrée en juin 1997 pour un remplacement de 3 semaines. Ah, les débuts sont déjà anciens, puisque déjà 22 ans de société. Céline, employée à Mondial Tissu Clermont-Ferrand depuis mars 1994. Alors moi, je suis à Mondial Tissu depuis 2002. Je suis rentrée dans le magasin Mondial Tissu en janvier 2000. Je suis rentrée en mai 2008. Ça fait 11 ans que je suis, plus de 11 ans que je suis rentrée chez Mondial Tissu en tant que responsable magasin, donc sur le magasin de Valence. Moi, je suis arrivée il y a 10 ans,
chez Mondial. Moi, j'ai commencé à bosser à Mondial Tissu il y a 3 ans. Mon histoire est assez particulière. Je suis arrivée chez Mondial Tissu en 2009. Je suis Pauline du magasin de Bourg-en-Bresse. Je suis arrivée dans la société il y a maintenant 2 ans et demi. J'ai récemment intégré le magasin de Clermont-Ferrand. Je suis arrivée à Mondial Tissu fin janvier. J'ai commencé par un CDD en avril 2016 et j'ai signé mon CDI en juillet 2016. J'ai intégré Mondial Tissu le 2 août 2016. Dans les débuts, Mondial Tissu, c'était du libre-service. Les rouleaux étaient posés sur les tables, les chaînettes, les ciseaux accrochés aux chaînettes et puis la cliente se servait. Je me souviens même d'une dame un jour qui avait coupé son tissu tout autour de son patron à même le magasin. On faisait les inventaires à la main sur des feuilles libres et on avait donc des blouses rouges. J'ai été embauchée mission d'intérim pour être standardiste et assistante. Donc je saisissais des bons de livraison, je répondais au téléphone. Je venais du prêt-à-porter, puis une petite enseigne familiale, une petite PME s'est venue se présenter et j'ai relevé le défi de prendre un magasin Mondial Tissu sur Valence. Ils ont commencé un petit peu mal puisque je suis arrivé avec 1h30 de retard à mon entretien d'embauche puisqu'il y avait un accident sur l'autoroute. En tant que stagiaire, donc un petit stage de 3 mois au sein de la direction des ressources humaines, puis j'ai été gardée en CDD pendant 1 an, donc en tant qu'assistante à affaires sociales. Fin du CDD, il n'y avait pas de promesse, donc je suis partie. J'ai intégré l'équipe de Villeurbanne dans le magasin et donc du coup j'étais en vente voilà, pendant 2 ans. J'ai découvert la société via le site internet. Ça a commencé par un échange avec Monsieur Lévy qui m'a dit « Bernard, j'ai besoin de vous juste 2-3 jours pour venir m'aider, mais juste 2-3 jours et 6 ans après, je suis toujours là. Ça s'est très bien passé au niveau de l'intégration, au niveau des collègues, au niveau du métier également. Il y a eu beaucoup de suivi, beaucoup de formation, des personnes vraiment très adorables qui étaient à l'écoute et présentes justement dès qu'on avait des questions. J'ai été en formation 2 semaines sur le magasin de Bayonne, puis 1 semaine sur le magasin de Cabriels et 3 jours. Et pendant 3 jours, j'ai découvert le siège. Contrairement à d'autres entreprises, on peut avoir le sentiment que c'est compliqué de s'intégrer. Là, vraiment, l'intégration s'est fait facilement. La directrice des ressources humaines m'a rappelé en 2011 qu'on proposait le poste de responsable des affaires sociales que j'occupe du coup maintenant depuis 5 ans. En 11 ans, c'était pas le jeu à préhistoire, c'était l'entreprise comme elle existait il y a 11 ans et elle est en perpétuelle évolution en permanence. En 10 ans, le groupe a énormément progressé, s'est passé plein de choses, des changements extraordinaires. Ça a changé, on est dans un nouveau concept, Mondial Tissu a énormément évolué. Puisque là, les équipes savent quand même maintenant conseiller la cliente, se projeter dans son projet. De mon côté, une évolution qui a été assez crescendo, puisque j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai monté petit à petit, j'ai été responsable de magasin. Je suis été en 2004 responsable du stock du magasin Villeurbanne, qui était l'un des plus grands. J'ai évolué sur différents postes, jusqu'à aujourd'hui, chef de marché, acheteuse. Au mois de mars cette année, j'ai intégré l'équipe marketing pour prendre mon poste de styliste. On a réussi à lui redonner une âme familiale, mais avec des outils un peu modernes. Mondial Tissu m'évoque la performance, la créativité, l'ambition, l'évolution de carrière. Intégrer une équipe géniale, où j'ai retrouvé une ambiance que je recherchais, une ambiance familiale, une ambiance conviviale. Je le considère comme une famille. On le ressent vraiment, toutes les collègues en parlent. C'est vraiment un noyau fermé et même ouvert à la fois. Donc c'est vraiment une famille et maintenant je suis vraiment intégrée. Je fais partie de la famille maintenant. Donc ouais, pour moi, c'est ça. On a de l'avance par rapport aux autres. Moderne aussi parce qu'on a réussi à moderniser quelque chose qui semblait tellement vieillissant. Déjà un lieu en tous les cas qui m'a permis de faire un métier que j'aime et puis une enseigne qui m'a permis d'évoluer. Convivialité, bienveillance. C'est une entreprise que je trouve très dynamique avec beaucoup de projets, beaucoup d'ambition et après en ce qui me concerne qui est très créative, du coup avec beaucoup d'inspiration. Voilà. Changement et progrès. J'ai été stagiaire, j'ai été en CDD et j'ai gravi les échelons et aujourd'hui je fais partie de l'encadrement de l'entreprise, donc c'est une grande fierté. Aujourd'hui, Mondial a fait est reconnu et connu et voilà. Ce que je souhaite, c'est assez classique en tant que dirigeant de la société, c'est son développement, c'est sa pérennité, c'est de garder son âme, garder cette inventivité, cette capacité à inventer ce qui paraît impossible. Eh bien écoutez, moi, il y a 6 ans, il y a 8 ans exactement, j'ai vendu mon entreprise
qui était une très belle entreprise, qui s'appelait Franprix Enterprise. Et je n'allais, pour paraphraser le général de Gaulle, je n'allais pas me découvrir une carrière de retraité à 52 ou 53 ans. Ce qui fait que j'ai voulu refaire remonter une entreprise. Et cette entreprise, elle est venue à moi, je dirais presque toute seule, par un cabinet d'avocats qui me l'a présenté. Et en fait, Mondial Tissu, j'avais connu 20 ans, il y a 20 ans auparavant, où j'avais voulu acheter cette entreprise à l'époque pour la transformer en supermarché. Du reste, quand j'ai acheté Mondial Tissu, tout le monde était persuadé que je voulais la retransformer en supermarché, ce qui était absolument faux. Donc voilà, une entreprise qui est venue à moi, une histoire d'amour, je dirais. Le marché de la couture, un secteur toujours tendance ? C'est un marché qui d'abord continue à se développer. On vend encore de plus en plus de machines à coudre. On le voit, on a des enfants qui viennent de plus en plus dans les ateliers de couture. Les bars à couture aujourd'hui à Paris, eh bien, on en voit énormément. Mes propres petites filles, elles-mêmes, vont dans des ateliers de couture à 7, 8 ans, 10 ans. Donc bien sûr que c'est toujours tendance. Quel est le plus Mondial Tissu ? Et j'aime à dire que Mondial Tissu est une start-up de 30 ans. On a une atmosphère extraordinaire de jeunes qui ont envie, de passionnés, de gens qui ont vraiment envie de que cette entreprise elle soit propulsée dans l'avenir à des sommets qui soient illimités. Et on le voit, car nos résultats sont bons et on voit que nous avons un chemin absolument formidable devant nous. Pour mêler l'utile à l'agréable, on va essayer de faire une courbe de croissance, une courbe de chiffre d'affaires avec le pourcentage de progression, par exemple. Ah, ça, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, déjà, on va préparer la... Allez-y, préparez le fond. Effectivement, vous avez raison, c'est la structure qui est importante. Deux boutons pour faire des deux zéros de pourcentage. Et okay. Voilà notre courbe. Et on va la prolonger à l'infini. L'histoire de Mondial Tissu va se prolonger à l'infini. On va dessiner la courbe du stock depuis que j'ai repris le Mondial Tissu. Notre production, et du coup, on la place avant de la coudre. Et donc, pour la placer, eh ben, on l'aiguille. Quel indicateur choisir, tellement ils sont beaux. Bien, écoutez, déjà, je pense que je suis meilleur gestionnaire que couturier. Merci. Merci. Pour les 35 ans d'existence de Mondial Tissu, je souhaite un bon anniversaire. Un joyeux anniversaire à Mondial Tissu. Bon anniversaire, Mondial Tissu. Joyeux anniversaire. Et que ça dure très longtemps. Joyeux anniversaire, Mondial Tissu. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Mondial Tissu. Joyeux anniversaire, Mondial Tissu. Bon anniversaire, Mondial Tissu. Joyeux anniversaire, Mondial Tissu. Bon anniversaire Mondial Tissu. Et bon anniversaire Mondial Tissu. Bon anniversaire Mondial Tissu. Bon anniversaire Mondial Tissu et longue vie. Bon anniversaire Mondial Tissu. Bon anniversaire Mondial Tissu. Bon anniversaire Mondial Tissu. Joyeux anniversaire Mondial Tissu. Joyeux anniversaire Mondial Tissu. Joyeux anniversaire Mondial Tissu. Et à dans 35 ans. Bon anniversaire Mondial Tissu. 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 Et joyeux anniversaire Mondial Tissu. Bon anniversaire Mondial Tissu. Joyeux anniversaire à Mondial Tissu. Mais c'est des gamins, 35 ans. Happy birthday to you, Mondial Tissu. Happy birthday. Et puis voilà, vive Mondial Tissu.